Eh bien voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur le Cork PA800. Alors euh, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur YouTube concernant ce clavier, mais aujourd'hui nous allons encore pousser plus les choses suite aux commentaires des différents artistes sur la chaîne. On va récapituler les fonctions de ce clavier et surtout l'historique de ce clavier. Pour conclure un petit peu avec quelques astuces que vous allez utiliser par rapport à ce clavier. Comme vous le savez donc, le pa 800 est un des modèles des claviers arrangeurs de chez Korg. Ce clavier est sorti en 2008 et donc il y a eu plusieurs variations de ce clavier. Aujourd'hui, on va plus parler sur la version standard du pa 800 version 2008 sur ce clavier donc on a un arrangeur c'est-à-dire euh, un mécanisme avec lequel on va composer une rythmique un petit peu euh, personnelle et personnalisée grâce à l'arrangeur nous allons aussi importer euh, de la rythmique provenance de l'extérieur en l'occurrence d'autres claviers arrangeurs de la même famille alors Core PA800 donc PA pour professionnel arrangeur alors 800 c'est le modèle du clavier alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs versions. Cette version, c'est vraiment la version classique, la version 1. Ce qui est de particulier sur ce clavier aujourd'hui, je voulais aussi en parler avec vous. En fait, ce clavier possède une mémoire de 256 MB de RAM. Pourquoi est-ce que je parle au niveau de cette mémoire de 256? Parce que beaucoup posaient la question si en mettant cette mémoire dans le clavier, on pouvait lire des styles du Core PA3X ou du 4X. Eh bien, non. La mémoire ici, 256 mégas, il faut savoir que ce n'est pas Korg qui a upgradé cette mémoire, mais ce sont deux sociétés qui sont situées in, en Allemagne, qui sont spécialisées et qui travaillent avec Korg, et une société en Turquie qui sont spécialisées pour faire reconnaître 256 mégas de RAM dans le clavier PA800. Alors, le clavier Core PA800, c'est un clavier avec 64 mégas de RAM d'origine au niveau du clavier. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez donc upgrader cette mémoire RAM, il faut passer par cette société. Ou alors, si vous voulez, il faut aussi vous assurer d'avoir la bonne RAM compatible avec le clavier. D'avoir un système d'exploitation OS du clavier modifié pour pouvoir lire cette mémoire RAM. J'insiste parce que sans ce OS modifié, la RAM ne pourra pas être reconnue. De plus, il faut mettre un disque dur dans le clavier parce que dans le clavier, il n'y a pas de disque dur. C'est une option dans ce clavier. Il faut mettre un disque dur avec une capacité qui va varier entre 80 et 160 Go. Et c'est un disque dur de 2,5 pouces qu'on peut trouver chez Core et on peut donc l'installer au niveau du clavier. Alors, on a parlé au niveau de l'arrangeur, qui sert vraiment à reproduire, donc à fabriquer une rythmique personnelle, à lire une rythmique provenance d'autres claviers arrangeurs de la même famille. Alors, on va maintenant quitter le mode arrangeur pour se consacrer à une autre fonction au niveau du clavier. Donc, on va s'intéresser au mode séquenceur. Alors, beaucoup euh, pensent que le séquenceur, donc, c'est pour le midi. Il est vrai que quand on dit séquenceur, c'est vraiment une séquence, mais la vraie instruction au niveau du séquenceur, en fait, c'est un, si vous voulez, un programme qui va euh, dire les instructions au niveau, euh, quand vous jouez des notes, les forces avec lesquelles vous jouez les notes, c'est un défilement, c'est un programme, le séquenceur, ce n'est pas de l'audio. Alors, sur le corps PA800, on a le séquenceur qui permet aussi d'enregistrer non pas la rythmique seule, mais tout l'ensemble du clavier. On pourrait enregistrer juste la rythmique, mais ça n'a pas de sens puisqu'on a l'arrangeur déjà qui réalise cette tâche. Au niveau du séquenceur, donc, on va enregistrer tout ce qu'on joue sur le clavier. Tout ce qui est dans le clavier, on va pouvoir l'enregistrer. Donc on va enregistrer la rythmique. Donc quand vous jouez les accords, vont être enregistrés, quand vous jouez le solo avec votre main droite, eh bien ce solo va être enregistré. Et tout l'ensemble va être enregistré sur ces pistes. C'est la norme MIDI. Alors la norme MIDI permet donc de fabriquer des SMF, c'est-à-dire des standards MIDI file ou bien tout court MIDI file. Avec ce fichier standard MIDI file, vous allez pouvoir, par exemple, prendre ce fichier dans une clé USB et partir avec dans un autre clavier arrangeur et vous allez pouvoir donc lire ce fichier MIDI puisque c'est un programme. Alors attention, euh, quand vous composez donc avec ce clavier, quand vous enregistrez avec votre PA 800 avec les ingrédients du clavier, c'est-à-dire la sonorité, la batterie, les réglages, eh bien euh, tout ce que vous enregistrez quand vous allez aller dans un autre clavier, eh bien, cette interprétation du programme va se faire en fonction euh, d'un autre clavier. Alors, j'explique un petit peu plus clairement. En fait, si vous faites une composition, euh, si vous faites un enregistrement euh, avec le séquenceur du Corp 800 et que vous allez sur un instrument Roland euh, qui permet de lire les fichiers MIDI, eh bien, il va interpréter tout ce que vous jouez avec la sonorité qui sont. Dans le Roland et non pas dans le PA800. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous, par exemple, vous prenez votre fichier et que vous allez dans un ordinateur, eh bien, il va interpréter ça en fonction de la carte son de l'ordinateur et aussi pour le Roland en fonction de la carte son du Roland. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, euh, donc, mais le fichier va être le même, le défilement va être le même. Ce sera toujours le même fichier MIDI. Alors, le séquenceur permet d'enregistrer donc. Euh, toute la musique que vous avez jouée sur le clavier sur 16 pistes. Alors, 16 pistes parce que c'est la norme MIDI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme MIDI, il y a la norme 0, il y a la norme 1, il y a la norme 2. La norme 2, c'est plus sur les Yamaha. Donc c'est un mode euh, étendu de la norme MIDI. Et la norme 1 c'est une, si vous voulez, une mise à jour de la norme 0. Alors la norme 0, on enregistre sur 16 pistes et chaque piste donc va contenir en fait, une sonorité par rapport à la rythmique, par rapport à la basse, par rapport à la batterie. Et eh bien c'est une norme. Et la norme MIDI en fait c'est un protocole à la base qui est sorti fin 1982, début 1983. Le premier protocole MIDI, la première connexion MIDI pour Communiquer entre instruments, c'était en 1983 dans le fameux Yamaha DX7 à modulation de fréquence. Donc là, il y a eu le protocole MIDI. Alors, le protocole MIDI, c'est un protocole de communication qui va permettre de communiquer avec divers instruments. Alors, quand j'ai pris comme exemple le clavier ou l'ordinateur, mais le clavier peut aussi parler avec un autre parler. C'est un langage de communication qui va dans les deux sens. D'ailleurs, sur les claviers arrangeurs, il y a toujours les bornes MIDI qui ont le format DIN qui sont ici en façade qui permettent de connecter le clavier avec un autre clavier, avec un ordinateur, avec une boîte à rythme, avec un sampler. Donc voilà, grâce au MIDI, on peut faire beaucoup de choses. Sur le Corp A800, c'est aussi particulier. Dans pratiquement tous les claviers arrangeurs, on peut les mettre dans un mode pilote, c'est-à-dire que le clavier, on peut le transformer en clavier maître. C'est-à-dire qu'on va, grâce, donc on va rentrer dans le menu ici, on on va aller dans une option qui s'appelle local et on va, si vous voulez couper le générateur qui produit les sons dans le clavier pour le rendre vraiment muet, afin que les touches ici soient vraiment muées. Et après on va utiliser donc une connexion MIDI euh, quelque part ici. Donc on va sortir du clavier pour entrer dans une autre connexion MIDI pour pouvoir communiquer le clavier avec par exemple un ordinateur. Parce que le but de le mettre dans un clavier MIDI, c'est pour pouvoir piloter. Des autres sons, des autres boucles, des autres plugins, par exemple, quand on travaille dans un logiciel pour faire de l'enregistrement, ou logiciel donc audio numérique, comme du type Cubase, Pro Tools ou Logic. Donc là, en fait, c'est ce qu'on fait. Donc on, le clavier devient un clavier maître pour pouvoir piloter euh, tout ce que je viens de vous dire là. Alors, il faut savoir qu'il existe des claviers maîtres qui sont spécifiques pour faire cette tâche. Je vous ai donné un exemple ici pour que vous montrer que le clavier permet on peut aussi le transformer en clavier maître en clavier pilote pour pouvoir donc profiter de tout par rapport donc quand vous êtes dans un studio d'enregistrement ou bien dans un home studio alors, on a parlé donc de différentes fonctions. Maintenant, on va aussi parler d'une fonction qui est intéressante au niveau du corps PA800. On va parler du sampler. Le mode sampling. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais pas détailler dans cette vidéo parce que c'est trop technique. Donc, je vais juste vous dire à quoi sert le sampler dans le corps PA800 et comment plus ou moins fonctionne. Alors, si vous voulez, le sampler, en fait, c'est quand vous voulez, par exemple, rapporter des sons ou de la rythmique au niveau de votre clavier. Donc le sampler va permettre, euh, en français on va dire, va échantillonner, c'est-à-dire qu'on va échantillonner des sons ou de la rythmique pour pouvoir la faire reconnaître au clavier. Et par exemple, si euh, un son m'intéresse qui provient d'un autre clavier, par exemple, je prends un clavier, par exemple, le triton, eh bien, ce son-là, je peux très bien l'intégrer ici. Alors, le sampling va servir, si j'ai une rythmique ici, par exemple, rajouter de la voix, de la voix humaine sur une rythmique. Et donc, le sampler va permettre d'échantillonner le chant d'une chanteuse ou d'un chanteur. Donc, quand je dis un échantillon, c'est-à-dire que c'est quelque chose de petit, ça va durer peut-être 10 secondes. Et avec ça, on va l'utiliser en boucle, on va le mettre dans les pattes. C'est ça, en fait, le sampling. C'est, on prend, par exemple, on peut aussi, par exemple, euh, si un son nous intéresse, eh bien, on peut l'échantillonner et on peut l'avoir ici. Ça peut être un saxophone, un piano, euh, un son d'orgue. Voilà, qu'on n'a pas dans le clavier, qu'on peut le rentrer ici grâce au Simpli. Parce que dans le corps PA800, il y a un sampler. Alors, autre chose au niveau du clavier. Donc, ici, euh, on a euh, tout se passe au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, on va naviguer dans des paramètres qui vont nous permettre de. Par exemple, lorsque on veut choisir un rythme, on a, comme on l'a dit, donc la rythmique d'origine qui se trouve dans des mémoires ROM au niveau du clavier, mais on a aussi des mémoires qui sont en quelque sorte des mémoires vides, des mémoires utilisateurs. C'est dans ces mémoires qu'on va mettre, par exemple, tout l'arrangement qu'on a fait, toute la fabrication de la rythmique, on va la mettre dans les mémoires qui sont dédiées. On appelle ça les mémoires utilisateurs. Alors ici, on en a trois et chaque mémoire peut contenir beaucoup de, de rythmes. Et donc là, on va, grâce à ces mémoires, donc faire de la arrangement et mémoriser la rythmique au niveau de ces mémoires. Même chose pour les sons. Pour les sons, on a donc les sons d'origine qui sont là et des sons qui peuvent être rapportés au niveau de l'arrangement. On a aussi trois mémoires, USER 1, USER 2, USER 3. Donc sur la droite ici qui vont nous permettre de rapporter des sons soit de l'extérieur, soit des sons qu'on a fait nous-mêmes. Alors pour ce qui est du son, en fait, on a dans le clavier ici euh, un éditeur de son. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous allez aller euh, où se trouve le son et eh bien, vous allez voir comment il est composé. En quelque sorte, on rentre dans la carte génétique du son. Et donc là, on voit comment il est ce son. Ce son de violon, ce son de trompette, comment il est même dans l'arrangement. Alors, on va voir les paramètres qui ont été appliqués. Alors, grâce à cette édition du son, on va pouvoir par exemple modifier certains paramètres. La fréquence du son pour changer un petit peu le timbre, appliquer plus d'effets appliquer des filtres pour enlever ou rajouter des fréquences pour transformer un petit peu le son et obtenir un son retravaillé et un son beaucoup plus professionnel, beaucoup plus prononcé. Et c'est grâce à l'éditeur de son qui se trouve dans le corps pa 800 qu'on peut réaliser cette tâche. Donc voilà, ça c'est encore un autre avantage au niveau du clavier. Alors, autre avantage au niveau du corps pa 800 par rapport à d'autres claviers peut-être professionnels. Donc ici le corps pa 800, c'est un clavier qui est amplifié. Là, on a des enceintes qui sont bien grandes ici. On peut signifie que vous pourriez donc jouer sur le clavier et entendre ce que vous jouez donc le son va sortir des haut-parleurs ici contrairement à des claviers qui sont euh, peut-être euh, aussi de haute gamme et eh bien on n'a pas d'amplificateur à l'intérieur du clavier ces claviers ont besoin d'avoir un amplificateur extérieur avec des haut-parleurs amplifiés pour euh, écouter le son ce n'est pas le cas du corps 800 bien entendu avec le corps 800 donc vous pouvez aussi le mettre sur un amplificateur extérieur ou bien brancher une sonorisation complète lorsque vous allez dans des grandes salles, vous allez en festival ou des concerts, là euh, évidemment le son euh, le petit son que vous avez dans les haut-parleurs ici est pas assez fort et donc là vous allez euh, probablement utiliser une sonorisation pour sonoriser donc votre clavier afin que tout le monde puisse entendre ce que vous jouez sur le clavier. Alors le fait que le clavier est amplifié c'est une bonne chose ou si vous pouvez euh, brancher un casque un casque que vous mettez pour pouvoir écouter euh, de manière personnelle ce que vous jouez sur le clavier si vous êtes dérangé par l'environnement et eh bien le casque va vous permettre de vous isoler et de composer plus tranquillement votre musique et plus écouter le son pour travailler votre oreille euh, absolue à votre oreille musicale afin que, que vous ayez un résultat vraiment professionnel donc vous avez la possibilité de mettre un Casque au niveau de votre clavier. Alors, le reste, ça reste donc de la manipulation euh, au niveau de votre clavier, en fait. Korg a mis au point donc ici euh, quatre boutons qui sont dédiés pour acquérir des sons. Alors je vous donne un exemple vous jouez une rythmique et vous cherchez le son qui va un petit peu se marier avec euh, la rythmique. Et eh bien, si vous allez dans les sons ici, vous allez vous apercevoir que vous allez rentrer dans un menu avec euh, huit sons et donc vous allez avoir plusieurs pages. Et eh bien, le fait de rentrer dans les pages et tout ça, vous perdez beaucoup plus de temps. Et eh bien là, si vous voulez, ces quatre mémoires qui sont euh, dédiées pour mémoriser un son avec une rythmique que vous auriez choisi dans la palette des rythmes ici. Et donc c'est vraiment pratique. Donc on a ces appellations STS1, STS2, STS3, STS4 qui sont juste en dessous de l'écran qui permettent de mettre des sons différents et qui vont être synchronisés avec la rythmique que vous auriez choisi. Alors on a autre chose au niveau du clavier, on a des assignations switch. On a deux boutons sur le côté près de le pitch ici à ma gauche ici. Alors ces boutons vont vous permettre vraiment de mettre un petit peu Exemple, si vous voulez faire un roulement, et eh bien vous assignez un roulement dans ce bouton-là. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le bouton roulement ici. Vous voulez faire un arrêt stop, et eh bien vous pouvez appuyer tout simplement sur le bouton, mais à condition de assigner que de, vous allez aller dans le mode global, qui est le mode réglage. Et là, vous allez avoir la possibilité d'aller dans divers menus. Et là, ça va, vous allez pouvoir donc choisir ce que vous allez assigner au niveau de euh, euh, des assignations suite qui sont ici sur la gauche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'était un clavier occidental, mais on aussi la possibilité de jouer avec d'autres styles, on peut en exemple prendre le style oriental et eh bien on peut jouer sur le clavier corpus le style oriental et aussi les autres styles du malgré sans aucune difficulté puisque ces musiques n'ont pas une gamme tempérée ici en fait on travaille en demi-ton donc la gamme est tempérée ici et eh bien pour la musique orientale. Pour la musique arabe, si vous voulez, eh bien, on utilise ce qu'on appelle le quart de ton. Et là, en fait, on a la possibilité d'aller dans le mode scale, scale qui va permettre, par exemple, de modifier le tempérament des notes, c'est-à-dire, en général, à moins 50. Ça, c'est vraiment une échelle qui est choisie pour diviser la note demi-ton pour avoir le quart de ton et donc c'est comme ça qu'on a cette gamme arabe euh, sur le clavier alors on a un mode scale qui est dessus donc sans aucun problème on peut donc jouer avec de l'oriental quand je dis au niveau sonorité quart de ton assigné sur les notes je dis aussi la rythmique aussi, on peut importer de la rythmique ou composer de la rythmique du Moyen-Orient euh, oriental sur le clavier et la mettre dans les mémoires qui sont dédiées. On peut sans difficulté jouer de la musique arabe, de la musique turque, de la musique perse dans le clavier, de la musique occidentale, et de la musique pop, tout ce que vous voulez. Tous les styles sont euh, faisables sur le clavier Core PA800. Alors, euh, on a euh, d'autres possibilités au niveau des boutons. On a par exemple la transposition pour transposer une gamme grâce à des boutons qu'on a ici pour monter donc, en dièse ou en descendre en bémol et puis on a aussi la même chose en octave pour mettre des sons plus aigus plus graves euh, sans aucune difficulté alors pour les DJ il y a aussi une possibilité on a en fait si vous voulez deux lecteurs euh, qui vont permettre de lire par exemple lorsque vous auriez mis une carte optionnelle mp3 dans le clavier puisque n'est pas d'origine dans le clavier et eh bien vous avez cette possibilité de travailler comme un DJ puisque vous avez un double lecteur qui va vous permettre de lancer une chanson et après en fait euh, relancer une deuxième chanson grâce au deuxième lecteur puisque là vous avez un bouton balance qui peut switcher en fait entre les lecteurs et donc vous donnez donc la même fonctionnalité que quand vous avez deux platines par exemple de DJ, donc vous avez cette possibilité de le faire sur le corps p 800 Donc, ça c'est encore une possibilité au niveau du corps p 800 Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un clavier 5 octaves donc 61 touches alors on a la possibilité de scinder le clavier c'est à dire diviser le clavier en fait en général les deux octaves qui sont ici sur la gauche vont nous permettre d'avoir la rythmique donc de travailler les accords avec et puis les trois autres octaves en général on joue avec le solo donc c'est à dire qu'on joue la mélodie la sonorité avec bien entendu vous pourriez choisir vous même la division du clavier ça peut être pratique pour les pianistes et donc voilà vous avez beaucoup de possibilités au niveau du clavier alors ce qu'il faut savoir ce n'est pas un toucher marteau c'est des touches qui sont en carbone donc c'est un plastique avec du carbone donc mais ce que vous avez vous avez un système avec des ressorts qui permet par exemple de faire cette sensibilité au niveau du clavier quand vous jouez fort et eh bien le son va être fort quand vous jouez moins fort le son va être moins fort contrairement à ce qu'on a sur les pianos donc un mécanisme à marteau on a un toucher lourd semi lourd et, et toucher qui est léger alors euh, voilà donc ce clavier ici c'est vraiment il a un, vraiment un toucher agréable professionnel et donc vous pourriez donc jouer sont en difficulté à avoir cette sensation euh, de jouer vraiment comme si vous jouez dans un piano euh, similisté par exemple. Alors ici sur ma gauche, on a le volume général, un volume balance et deux boutons qui sont des sliders en fait qui vont vous permettre de mixer le volume parce que beaucoup posent aussi la question lorsque en fait il joue une rythmique et bien le son avec lequel on vont faire le solo est beaucoup plus fort que la rythmique. Et bien là ces boutons on peut assigner un potentiomètre qui va jouer sur la tension du son et donc là on peut grâce à ce slider Assigner les sons qui sont hyper 1, hyper 2, hyper 3 sur ce slider et on va euh, de cette façon on va pouvoir mixer la rythmique avec le son lorsque le son est plus fort et eh bien on va grâce à ce potentiomètre ici slider euh, ajuster pour avoir un son moins fort et rééquilibrer donc le mixage du son par rapport à la rythmique c'est à ça que servent euh, ces deux boutons alors encore un point auquel je vais citer on a non seulement la possibilité sur le corps per-huisson de jouer avec, mais on a aussi la possibilité de jouer et de chanter. Alors quand j'ai dit chanter, parce qu'on a la possibilité de rentrer un ou deux micros ici. Donc on a la possibilité de rentrer un micro extérieur dans le clavier et afin de jouer sur le clavier et de chanter aussi avec. Voilà. Donc je pense avoir euh, tout dit au niveau du clavier, si je n'ai rien oublié. Donc on a un pitch ici pour pitcher. Donc on peut choisir aussi. Donc c'est en demi-ton. Donc on avance ou on recule. On en demi-ton sur l'octave et puis on a aussi là la possibilité de rajouter des pattes alors c'est quoi ça c'est des pattes ça peut être des sons ça peut être des boucles en fait si vous voulez c'est quand vous jouez une rythmique bien vous allez être accompagné par une sonorité ou bien par une percussion supplémentaire et donc on a la possibilité d'avoir quatre pattes sur euh, ici, donc sur la droite ici qui vont s'ajouter à la rythmique que vous jouez et donc ça peut être des sons, ça peut être de la batterie et tout ça et donc voilà, donc là le reste et eh bien vous avez donc un mode pour faire une lecture quand vous êtes au midi, quand vous êtes en mp3 vous avez un mode séquenceur pour rentrer dans le séquenceur, vous avez un mode global qui va vous permettre d'aller dans les menus général, dans le Midi. Vous allez donc pour l'interface vidéo aussi. Alors, comme j'ai cité tout à l'heure, la carte MP3, on a aussi la possibilité de rajouter une carte vidéo optionnelle pour le Corp A800. Cette carte en fait va permettre de dupliquer l'écran sur un téléviseur. Alors je vous explique encore que ça consiste. En fait, si vous voulez, vous allez tout le contenu que vous voyez ici, vous allez le, le voir sur un téléviseur. Alors vous allez me dire pourquoi un téléviseur exactement. Alors euh, tout à l'heure, je vous ai parlé donc des fichiers MIDI qui sont des fichiers comme des karaokés, Alors certains fichiers MIDI peuvent avoir des paroles et des fois c'est plus pratique de regarder les paroles sur un téléviseur que sur l'écran. Si vous êtes chanteur, eh bien vous allez avoir donc la possibilité de voir sur le téléviseur les paroles qui vont et ça va être beaucoup plus pratique et vous allez donc euh, voir ça en grand, vous allez voir les, les paroles et vous allez chanter sans aucune difficulté. Mais aussi, vous pouvez donc dupliquer les autres fonctions, vous allez donc voir, c'est totalement l'écran qui va être recopié sur l'écran externe. Beaucoup plus facile de lire sur un écran qui, par exemple, qui est plus grand que ce petit écran qui est ici. Alors moi, euh, mon avis personnel, le clavier c'est un très bon clavier, il est très robuste. Je sais que Cork a fait beaucoup d'améliorations euh, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport donc au produit Cork. Alors ici en fait le seul bémol que moi je trouve qu'on aurait dû quand même travailler sur un clavier professionnel. Quand on appelle un clavier professionnel, on doit s'assurer d'avoir un complément d'information par rapport à d'autres concurrents qui sont Yamaha ou Quetron, et eh bien cet écran pour moi il aurait dû quand même être un écran si vous voulez inclinable qu'on peut incliner avec un certain degré parce que voilà on est musicien par exemple ou artiste on, on se reproduit sur une scène et eh bien là la difficulté c'est que parfois on peut avoir un musicien ou un artiste qui joue le clavier, mais aussi qui chante en même temps, eh bien, euh, on peut imaginer avoir un écran comme ça, et que le chanteur euh, chante devant un micro, eh bien, c'est un peu difficile de, de voir l'écran euh, comme ça, tout plat. Donc euh, s'il y avait un système motorisé comme le Core A2X qui est le modèle sorti après le Core A800 qui est le grand frère, eh bien on a la possibilité sur le Corp A2X d'incliner l'écran. Euh, il y a même un système motorisé au niveau du Corp A2X pour pouvoir incliner vraiment l'écran. Et comme ça on peut voir le contenu de l'écran de manière globale et aussi euh, le voir euh, pour pouvoir après naviguer plus facilement et retrouver toutes les fonctions un peu plus facilement. Je donc un peu dommage qu'on a un écran fixe et qui n'est pas mobile qu'on peut incliner à un certain degré. Alors euh, voilà donc euh, j'arrive donc à, à la fin de cette vidéo. Je pense avoir tout dit. Je réfléchis à voir si je n'ai rien oublié. Euh, donc voilà, je pense avoir dit donc tout l'essentiel au niveau du clavier. Donc ici, euh, voilà. Maintenant, si euh, il vous reste des questions, si vous voulez approfondir plus sur le corps pa 800 du point de vue technique, alors euh, je peux vous suggérer de, comme toujours, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de profiter des vidéos qui sont déjà là pour le corps PA800 et aussi ça va vous permettre de rentrer en communication avec moi pour certaines questions, pour certains euh, problèmes peut-être sur le corps père 800 et alors que, que vous voudriez. Que je fasse une vidéo ou bien que je discute avec vous pour trouver une solution. Voilà, donc vous savez ce qu'il ce qu vous reste à faire. Donc, si vous avez des questions, vous abonnez à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Ami et là vous allez avoir la totalité des vidéos et la possibilité de me laisser des commentaires. Voilà, sur ce, je vous dis donc à une prochaine vidéo.